Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Tout d'abord, on va en parler de la définition de l'échec. Qu'est-ce que l'échec? Et à quoi sert l'échec dans la vie? Alors, comme dit, moi je prends l'échec comme tout abandon à un projet qu'on a débuté, mais par peur d'y arriver à un abandon. Soit disant que je n'en peux pas, ce n'est pas les moyens nécessaires, ce n'est pas la capacité qu'il me faut pour y arriver. C'est ça qu'on appelle l'échec. Sinon, l'échec proprement dit n'existe pas. Si tu enfonces dans ton objectif, si tu fonds, si tes projets, si tu fonces, si ce que tu veux réaliser, vraiment l'échec n'existe pas. Mais quand tu te rétrogardes, que non, j'ai tout donné, j'ai tout mis, j'ai fait de tout ce que je pouvais pour y arriver, mais je ne parviens pas. Là, toi tu as menti. Il y a encore un potentiel en toi que tu peux utiliser pour arriver là où tu veux être arrivé. Et c'est dit, à quoi ça sert l'essai dans la vie? Vous êtes nombreux à savoir ce que l'échec sert dans notre vie. C'est merveilleux ça. Si vous direz d'abord que l'échec n'est pas une fatalité, mais c'est une préparation vers le succès, à travers d'autres plans, à travers d'autres moyens, à travers d'autres voies, à travers d'autres chemins à parcourir pour arriver le but fixé. Les savoir aujourd'hui. Si tu vises à réaliser un rêve, dans 2 mois, tu te planifies déjà. Peut-être les premiers mois vont passer, tu n'y parviens pas. 1 mois et 4, tu n'y parviens pas. 50 jours, tu n'y parviens pas, il te reste 10 jours. Tu vas dire que non, mais j'ai échoué. Tu n'as pas encore échoué, car il faut d'autres méthodes à appliquer. Il faut comparer les méthodes, analyse les méthodes que tu as appliquées avant l'arrivée de ces 2 mois. Est-ce que ces méthodes-là, ça fonctionne avec ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'a manqué dans tes objectifs? Qu'est-ce qui t'a manqué dans tes démarches? Faire la réussite, faire le succès que tu voulais réaliser. Une fois que tu chasses ce qui t'a manqué, ce qui n'a pas marché, réaménage-toi, mets d'autres stratégies en place. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Sinon, la première fois, tu n'arrives pas, tu abandonnes. Ah, mon frère, c'est toi qui as besoin. Sinon, le rêve qui est en toi est toujours vivant et tu peux toujours le réaliser à ta manière. Celui qui a échoué, c'est celui qui a abandonné. Celui qui a échoué, c'est celui qui n'a pas mis l'effort nécessaire. Peut-être que tu as mis l'effort nécessaire, mais ça n'a pas donné. Mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. Non, sans de stratégie, sans de manière, sans ta manière de voir, sans ta manière de marcher, sans tes directives, c'est là que tu parviendras. Construire. Mais commence-toi d'abord par le petit matériel nécessaire qu'il te faut. Tu ne peux pas vouloir construire une maison, 200 salons. Et tu veux les réaliser en un coup, comme c'est toi qui fabrique là. Non, même les riches, ils planifient déjà petit à petit, petit à petit. C'est une succession d'étapes pour y arriver là où on veut y arriver. Si tu ne le sais pas, ça serait dommage. Donc, vas-en pour construire. Tu vas commencer soit payer le ciment, soit payer le terrain, soit payer le tôle, soit payer le fer, soit payer le causer. Peut-être des petites choses que tu rassembles
À un moment, tu vas constater que tu as tout réuni. Et là, maintenant, tu cesses le métier de masse, ou des travailleurs, des ouvriers. Hein? Et tu leur demandes de venir planter pour toi. C'est là qu'on dit qu'une telle personne a réalisé un rêve tant voulu. J'ai pris l'exemple sur la construction. Peut-être tu veux payer une moto, peut-être tu veux payer une voiture, peut-être tu veux faire beaucoup au-delà, aller au-delà de tes attentes. Oui, mais commence-toi par là où tu es. Il ne faut pas vouloir sauter à grands pas. Va tout doucement, accorde-toi, mais persévère davantage, persévère davantage, persévère davantage, persévère davantage. C'est la persévérance qui détermine le succès. Merci. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à abonner pour suivre de nouvelles vidéos de motivation que tu as tant rêvé à ton. Mais aujourd'hui, les portes t'ont s'ouvrir. À toi de t'abonner pour ne plus rater aucune vidéo. Merci.